de Michel Marimaudet pour l'Inagora. Donc du coup, je vais faire bref, parce que bon, a priori, on a un petit peu pris de retard, donc je vais accélérer en fait moi sur ma présentation. C'est de la mutualisation. Alors, ça. Ouais, je suis un peu déçu parce que j'avais posé la première question sur Twitter et donc tu as répondu en fait en séance avant même que j'ai l'occasion de te la poser sur l'utilisation d'OpenStack sur le projet sur Numergy. Bon, donc on attend en fait la suite des événements. Alors moi j'ai ma charmante équipe qui m'a préparé 25 planches, donc je crois que je vais les oublier. Ça sera pas, je vais vous économiser ça. Vous viendrez nous voir en fait en fonction des besoins que vous avez. Je vais quand même juste en utiliser, je pense, deux. Comme ça, ça va. Première chose, donc l'Inagora, en fait, je l'ai dit ce matin, donc acteur historique, mais vous nous avez connus, en fait, dans les débuts des années 2000, sur un positionnement de société de service. D'ailleurs, en fait, on n'est pas étranger à ce qu'on a appelé les sociétés de service en logiciel libre, SS2L, hein, qui était, on a posé d'ailleurs la marque, hein, c'est une marque déposée l'Inagora, hein, pour la petite histoire. C'était un petit peu un pied de nez en fait au SS2I et donc de bien se différencier sur ce marché-là en fait d'experts en fait du logiciel libre. Donc ça c'est là-dessus où on s'est lancé et j'ai envie de dire que c'est sur la tranche 2000 jusqu'à aux alentours de 2005-2006 où on a travaillé essentiellement sur des offres de services. Aujourd'hui, on se définit clairement comme un éditeur open source, tout en conservant en fait une activité de service puisque on l'a dit ce matin, le modèle économique finalement. Celui qui a été présenté par d'autres sociétés et celui que nous on défend, c'est d'avoir en fait des solutions libres et gratuites et d'avoir en fait des prestations en fait d'accompagnement en fait à leur mise en œuvre. Donc on a, donc c'est pour ça que les trois métiers de l'Inagora, ils sont presque les surfaces que vous avez sont à peu près celles qu'ils représentent aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires en fait au niveau de la société. Donc vous avez à peu près encore 50% qui sont sur notre métier historique, qui sont le métier du service. Donc là ça va d'un des prestations de conseil, formation, développement, intégration, donc tout ce qu'on peut trouver sur l'aide à la mise en œuvre et à l'accompagnement en fait à la mise en œuvre en fait de solutions libres. Et puis donc deux autres métiers, donc le métier dont je vous parlais ce matin au travers du marché des finances, qui est le marché en fait de support, donc l'OSA, donc Open Source Software Assurance. Donc retenez bien, Software Assurance était aussi un pied de nez en fait à la Software Assurance de Microsoft quand on a lancé cette offre-là. Donc ces offres en fait plutôt destiné aux utilisateurs en fait de logiciels libres en fait sur les environnements critiques pour disposer en fait simplement d'une assurance logicielle et de contrats avec des contrats de service en termes de prise en compte des appels de correction en fait donc avec des pénalités hein, puisque en fait tout ça se fait dans la commande publique donc vous savez très bien que dans les CCAP vous oubliez jamais les clauses en fait de pénalité donc tout ça en fait on prend des engagements de résultats ce qui est en fait juste remarquable puisque en fait tous les éditeurs en fait avec lesquels vous travaillez traditionnellement ne prennent jamais d'engagement en résultat. Hein, quand vous travaillez avec Oracle, Microsoft, ce sont toujours des engagements de moyens. On vous dit oui, oui, dans la prochaine version. Là, on s'engage sur les logiciels libres à corriger, sur les versions que vous utilisez, et en fait à reverser en fait, auprès des communautés. Et dernier étage de la fusée, donc c'est effectivement celui qu'on est en train de développer en fait, depuis 2007. C'est cette édition logicielle, puisqu'on s'est rendu compte, on l'a expliqué ce matin, hein, donc ça nécessite des expertises métiers, et on ne peut pas être bon partout. Donc nous, on s'est concentré finalement sur 4 domaines, 3 historiques donc, que vous connaissez forcément, OBM, qui est la solution de messagerie, hein, qui est largement aujourd'hui utilisée dans les administrations, hein, puisqu'on est en équipe pratiquement grosse partie des administrations centrales, hein, ministère de l'Agriculture, Culture, les finances. Donc on est à peu près 1 million de boîtes aux lettres en fait, aujourd'hui en production au travers de cette solution. On est toujours très actif dans le domaine en fait, de la sécurité de la confiance numérique, donc tout ce qui est usage de certificats, signatures électroniques, coffre-fort, et je vais en reparler juste après. Et enfin, la gestion des identités, qui est le petit frère finalement, dès qu'on parle d'identité numérique, la gestion d'identité en fait, arrive au galop juste après. Dernier axe en fait, de développement, donc, c'est tout ce qui est plateforme en fait, d'intégration SOA, dont en fait c'est récent puisqu'on a fait l'acquisition en fait d'une société qui s'appelait Petalslink, anciennement EBM Web Sourcing en fait qui développait en fait une technologie de SB que certains peut-être d'entre vous connaissent et donc on a décidé en fait d'acquérir en fait la solution puisque et c'est là-dessus où je vais finir en fait enchaîner ma présentation.
dans les roadmaps en fait de nos, les feuilles de route en fait de nos produits, on s'est aperçu que, on l'a vu hein, tout à l'heure, on a parlé de cloud, de plateforme d'intégration, donc ces technologies d'intégration de services, d'orchestration de services et de consommation, de mise à disposition des données, en fait, on le verra tout à l'heure, je pense, quand on parlera de l'open data, sont au cœur en fait de nos roadmaps technologiques. Et donc faire l'acquisition de, d'une solution de gens qui travaillaient déjà depuis un certain nombre d'années là-dessus, c'est fait, pour nous en fait un facteur accélérateur dans la construction de nos solutions. Voilà, je vous l'ai dit ce matin, on a à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais encore entre 70 et 80% de notre chiffre d'affaires qui est fait au travers de la commande publique, donc on connaît bien en fait cet environnement. Alors on travaille avec plutôt les administrations centrales, hein, mais n'ayez pas peur, hein, donc au travers du marché de l'UGAP, ça va nous donner aussi une capacité peut-être à plus facilement adresser le marché des collectivités. Hein. Le problème, c'est qu'on n'est que 100, hein, donc on n'a pas, on n'est qu'une petite équipe commerciale, donc le fait pour adresser finalement tous les territoires, c'est relativement compliqué en fait. Donc on pense que l'UGAP, avec son rôle en fait de concentrateur de la commande, va être un élément en fait de simplification en fait pour nous, pour vous aider au quotidien dans vos démarches d'utilisation du logiciel libre. Donc là, vous pouvez fermer les yeux puisque je vais avancer sur quelques planches. Voilà, je vais vous passer ça, ça. Voilà, donc celle-ci, elle ne veut pas passer. On va attendre. Voilà. Vous viendrez nous voir en fait hein, là-dessus. Voilà, je vous fais, vous voyez, économiser un peu de temps. Voilà. Je vous en ai parlé ce matin, en fait, nous, le sujet qui nous importait, c'est comment on finance en fait l'innovation. Jusqu'à présent, un acteur comme l'Inagora, en fait, on a fait tout sur fonds propres. Alors bon, aujourd'hui, c'est bien, parce que ça nous donne une certaine indépendance vis-à-vis en fait, d'acteurs et de partenaires financiers. Donc aujourd'hui, 80% du capital est détenu encore par ses fondateurs, donc c'est quand même remarquable, en fait, pour une société qui fait donc, un peu de chiffre d'affaires. Donc ça a été une volonté en fait de ces fondateurs dont je fais partie. Mais là en fait on a décidé pour le développement de nos solutions d'essayer d'accélérer, puisque finalement si on regarde en fait les sujets sur lesquels on travaille dans le domaine de l'édition logicielle, si je vous parle en fait de messagerie, si je vous parle de réseaux sociaux, si je vous parle en fait effectivement de gestion d'identité, ben finalement on se frotte vis-à-vis des mastodontes en fait de l'informatique. Hein, que sont les Google, que sont les Microsoft, que sont en fait toute une série d'acteurs qui se sont positionnés sur ce marché-là plus ou moins de façon opportuniste. Et aujourd'hui, à l'échelle d'une PME, moi j'ai donc une équipe de développement qui fait 30 personnes aujourd'hui, hein, qui sont dédiées en fait au développement de nos produits, bah, on voit qu'il faut accélérer. Autrement, il y a une question en fait d'adoption en fait, de part de marché, et donc on sait qu'il y a déjà des organisations qui sont en train de basculer en fait sur Google, hein, sur les Google Apps et ainsi de suite. Donc il faut qu'on accélère en fait pour proposer tout simplement au marché des solutions libres qui garantiront en fait demain de l'interopérabilité, de la confidentialité de la sécurité en fait de vos données sur les clouds en fait gouvernementaux, que ce soit Numergie, CloudWatt et autres qui pourraient être lancés. Voilà, donc nos deux axes en fait, je vous l'ai dit, on a donc finalement déposé trois dossiers dans le cadre des dépenses d'avenir. Deux qu'on a d'ores et déjà en fait qui ont été labellisés pour l'État et pour lesquels en fait on a eu un financement sur 3 ans. Donc c'est le premier, c'est OpenPass. Donc OpenPass, c'est tout simplement la suite d'OBM. Donc pour ceux qui connaissent OBM aujourd'hui, c'est un périmètre fonctionnel qui est équivalent en fait à Exchange 2007, 2008 ou 2012, je ne sais plus à quelle version, mais voilà, donc plutôt centré sur la messagerie collaborative telle qu'on l'entend en fait aujourd'hui. Sauf que vous le savez parfaitement. Il y a des questions autour de l'utilisation du mail, il y a l'influence des réseaux sociaux, il y a en fait les messageries en fait unifiées qu'on a évoquées en fait tout à l'heure en fait avec dans le cadre des présentations. Donc aujourd'hui, si vous regardez sur le marché, il n'y a pas de solution qui propose en fait ce type d'environnement en fait intégré. Donc on se propose sur la base de notre expérience en fait qu'on a acquise maintenant depuis plus de 12 ans en fait sur OBM, de développer finalement en fait le futur de la messagerie avec une orientation type PaaS, donc plateforme orientée plateforme as a service. Destiné en fait à mettre en place des services de collaboration avec les entreprises. Si ça vous intéresse, je suis à votre disposition, je suis intéressable sur le sujet, même ce soir si vous voulez, on peut là-dessus bien sûr parler sur ces sujets-là. Le deuxième en fait, vous allez voir c'est corollaire en fait, il y a le sujet aujourd'hui du stockage de la donnée, en fait on l'évoquait, en fait les gens de Bull l'évoquaient juste avant. Donc vous savez qu'en fait en ce moment il y a toute une panoplie de coffres forts qui vous est proposée, hein, donc ça va de votre banque
de la Poste, Air France vous propose même en fait aujourd'hui un coffre. Mais alors un coffre, pourquoi faire, pour mettre quoi en fait, ça peut-être que, enfin, en tout cas nous, on nous a proposé en tant que société de mettre les dématérialiser en fait les bulletins de paye de nos collaborateurs dans des coffres. Et donc il y a un sujet, donc aujourd'hui il existe pratiquement autant de coffres que d'usages finalement qu'on a. Et bah, de notre point de vue, en fait, c'est pas du tout satisfaisant, puisque forcément, qui dit multiples coffres, dit multiples authentifications. Donc finalement, des coffres forts où on va être amené certainement à mettre des mots de passe, en fait, aussi simples qu'ils soient pour qu'on puisse souvenir, en fait, en fonction de là où je suis, pour aller rechercher les bons types de documents, c'est pas satisfaisant. Donc deuxième démarche, en fait, qu'on a vendue, en fait, à l'État, c'est d'investir, en fait, sur une technologie de coffre fort électronique. Donc j'ai pour gouvernemental, donc une orientation plutôt publique, mais ça sera ouvert en fait à d'autres types d'usages, et basé en fait toujours sur les technologies du cloud. Tout ça en fait, là c'est un appel du pied à nos amis de Bulle, hein, donc là moi je veux bien rencontrer les gens de Numergy, parce que en fait ce seront en fait les services qui devront être mis à disposition sur ces plateformes, et qui vous permettront vous du coup en fait d'acquérir un service sur des plateformes sécurisées et labellisé en fait par l'État. Donc là-dessus, il y a en fait un travail. C'est des projets en fait qui débutent maintenant. C'est des projets de R&D sur 3 ans. Et globalement, donc on est suivi. Hein, vous savez, on est suivi par l'État. Donc on a un certain nombre de livrables à remettre. Donc aujourd'hui, on a engagé finalement vis-à-vis de l'État à faire développer en fait ces solutions sous des licences libres. J'ai pas mis encore les sites web en fait à disposition, mais si on commence en fait à communiquer, puisque tout ça va être fait sur des forges ouvertes. Et donc, bien sûr, vous pourrez suivre le développement de ces produits pratiquement en fait en direct. Voilà, donc ça c'est OpenPass. J'ai Safe. Et on m'a pas mis le dernier. Donc le dernier qui n'est pas labellisé, c'est normal, puisqu'en fait, il n'a pas été encore, pas encore été accepté au niveau de l'État, mais on a été reconnu comme parmi les 3 projets les plus innovants par le pôle de compétitivité Cap Digital. Donc un projet qui s'appelle Elo Data, E-L-O Data. Elo, ça veut dire lien en fait en portugais, et data donc pour la donnée. Donc on voit très bien en fait à quoi ça fait référence. Donc c'est aussi dans le domaine en fait des données de collaboration. On voit bien qu'il y a des volumes en fait de données qui vont être de plus en plus importants. Et aujourd'hui en fait, comme je le disais ce matin, les GDPR, enfin les bases de données relationnelles ou les multiples bases NoSQL en fait aujourd'hui qui existent apportent tout plein de solutions, mais pas forcément intégrées dans une logique collaborative dont on a besoin sur nos propres produits. Donc là aussi, donc là on a proposé en fait à l'État d'investir sur une technologie, un GBD qui sera peut-être pas SQL, qui sera peut-être pas relationnel, qui sera pas orienté peut-être table, qui sera pas orienté document. Certainement une domaine de la marche autour par exemple des théories des graphes. Donc là on a des gens qui sont Elo Data, puisqu'en fait on a un Brésilien dans nos équipes en fait qu'on a recruté, qui est, voilà d'où vient en fait le nom du projet, et qui est spécialisé spécifiquement en fait sur ces domaines. Voilà, je sais pas, je pense que ça a permis de rattraper un tout petit peu du temps. Non, on est bon dans le timing. C'est parfait, parfait. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, et puis donc à votre disposition pour les questions. Toujours pas de questions? Merci. Merci. C'est à Nuxeo, de vrai.